bilan du coronavirus a encore évolué dans le pays. 171 nouveaux cas confirmés, 118 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 8 décès sont à déplorer selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Le docteur Jamel Fourard, je vous propose de l'écouter. Pour les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 171 nouveaux cas, 118 patients guéris, 45 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec l'enregistrement et la notification de 171 nouveaux cas, le total cumulé des cas à ce jour est de 12 248, soit une incidence de 28 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons qu'il y a 31 wilayas qui sont en dessous de la moyenne nationale et seulement 17 wilayas qui sont au-dessus de la moyenne nationale, sachant également que 11 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré des nouveaux décès. 8 nouveaux décès ont été notifiés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre total de décès cumulés à 869. 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus, et 75%, c'est-à-dire 6 décès sur les 8, ont une comorbidité, c'est-à-dire un diabète ou une hypertension associée. Par rapport aux patients guéris qui sont sortis, qui ont quitté les établissements hospitaliers, à ce jour, nous avons donc 8792 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, dont 118 patients ont quitté les hôpitaux guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié à ce jour du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est de 26 631. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 45 patients en soins intensifs.